Levée de rideau avec aujourd'hui une nouvelle figure de l'agglomération clermontoise et de la vie culturelle de Clermont, Claire Gastaud. Merci Claire d'être avec nous. Ça fait très longtemps que je souhaite vous recevoir. Vous avez enfin dit oui ou j'ai enfin réussi, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Pourquoi ce désir de pudeur et de peu de médiatisation alors que vous êtes dans un milieu où il faut être médiatique? Alors, en fait, la galerie est très médiatisée, aussi bien en Auvergne qu'à l'extérieur. Mais moi, j'aime bien parler des autres. Enfin, j'aime bien parler de mes artistes. Mon métier, c'est de parler des artistes, c'est pas tellement de parler de moi. Donc ça, c'est peut-être quelque chose d'assez féminin. J'ai pas l'orgueil de dire moi je, mais j'ai l'orgueil de dire j'ai tel artiste à la galerie, remarquez-la, remarquez-le. Vous voyez, c'est comme ça. Je trouve, je m'intéresse plus à ce qu'on fait qu'à ce qu'on dit. Alors, on va essayer de parler de Bon, vous, mais à voilà. travers la galerie, au moins pour commencer. Cette galerie, quelle est son histoire? D'abord le lieu près de la cathédrale. Pourquoi avez-vous flashé sur ce lieu? Alors, l'histoire, elle est incroyable. Moi, je crois que j'étais encore étudiante en droit et avec mon ex-associé et mari Daniel Gastaud, que j'ai rencontré, qui lui était étudiant en beaux-arts, il avait ouvert une petite galerie un peu associative dans la petite rue Abbé Gérard. Et pour moi, c'était une révélation. J'étais étudiante en droit, mais j'étais déjà intéressée par l'art. Et c'était une révélation de découvrir le marché de l'art, en fait. Et on cherchait donc un lieu. Et on est rentré dans un lieu qui nous plaisait parce qu'on a vu une verrière. Et quand on est rentré, c'était Madeleine Lubac. Elle faisait du commerce de porcelaine et de la restauration de porcelaine, une femme d'art extraordinaire, Madeleine. Et on lui dit, écoutez, on aimerait bien acheter ce lieu, Mais il vous est saviez ce que vous alliez immense. en Ben oui, faire? pour faire une galerie, bien sûr. Vous aviez déjà cette Oui, idée, tout cette... à fait, tout à fait. C'était immense, donc il y avait une verrière, on s'est dit, c'est pour nous. Et là, elle dit, non, 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 c'est pas à vendre. Le lendemain, elle nous appelle. Et elle dit, vous savez, je suis très impressionnée par votre démarche parce que j'ai acheté ce magasin en 1962 ou 3, et c'était une galerie. Une galerie qui a existé de 1959 à 1962. J'ai retrouvé des vieilles publicités dans l'œil. C'était un des hauts lieux d'art contemporain à Clermont, enfin de l'art de l'époque, avec les plus grandes signatures. Il y avait Bram Van Velde, il y avait enfin, des artistes incroyables. Et Jean-Louis Prat, que vous connaissez et que je connais très bien, m'a dit avoir connu cette galerie quand il était étudiant. Donc elle n'a pas duré très très longtemps, mais le mec avait fait plein plein de travaux. Donc quand on a acheté, on a enlevé par exemple sur les plafonds le tissu qui était au plafond, et là on a découvert des espèces de barres métalliques, enfin du Bauhaus, du matériel industriel détourné, que cette personne avait. Ça s'appelait la galerie A, j'ai retrouvé des vieilles publicités dans Alors ça, l'œil. c'était à quelle époque? Alors ça, c'était en 1986. En Ou 1986, 87. donc vous faites ensemble cette démarche Oui, de tout à lancer une fait. galerie à Clermont. C'est complètement fou à l'époque. Ben, en fait, à l'époque, je crois qu'on ne savait pas ce qu'on faisait, on savait même Là, le pas. sourire est parti, Enfin, vous avez vu. non, 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 parce que je crois que c'est une des périodes de ma vie où je me suis plus marrée. On ne savait pas tellement ce qu'on faisait, il n'y avait pas tellement de galeries, Clermont-Ferrand sûrement pas, mais même en France. Enfin, ce n'était pas quelque chose de très, très Le courant. public était-il présent Alors, ou simplement caché? il y avait ce qu'on appelle les collectionneurs, des gens qui arrivaient dans la galerie, qui venaient farfouiller les réserves, qui passaient une après-midi complète. Je me souviens d'un collectionneur de Roya qui venait une fois par an, un mois à Roya pour une cure, et c'était un des plus grands collectionneurs français. C'était une autre époque, mais alors nous, on a eu la chance, ou la curiosité, d'avoir vraiment les meilleurs artistes. Au début, c'était difficile, mais très rapidement, ça a très très vite très bien marché. On avait les bons artistes de la Vous voulez scène. dire qu'ils acceptaient d'être exposés chez Mais vous? ils n'étaient pas très connus à l'époque. Combas n'était pas hyper connu. Rémy Blanchard n'était pas hyper connu. Peter Claessens n'était pas hyper connu. Je crois que ça les amusait d'avoir le lieu était superbe. Les artistes adorent venir dans ce lieu. Ça les amusait beaucoup. Et puis on vendait beaucoup. On s'est mis à vendre énormément. Claire Gastaud, chef d'entreprise ou éveilleur de sensations, éveilleuse de sensations? Mais vous savez, je crois que les chefs d'entreprise sont des créatifs. Il faut être un peu curieux, il faut être un peu ouvert au monde. Donc, je crois qu'un chef d'entreprise n'a jamais de modèle. Il est obligé d'inventer son modèle. Enfin, encore plus aujourd'hui. Et une galerie, c'est exactement le cas. Il n'y a pas un seul galerie. J'ai l'habitude de dire que les galeries sont comme les artistes. Ils sont tous différents. Vous parliez de la galerie Oui? qui reste un lieu
majeure de votre vie de femme, oui. de votre vie de couple à l'époque, de votre vie de chef d'entreprise aujourd'hui. Quand nous sommes arrivés, j'ai vu vos yeux, presque des yeux d'enfant, de petite fille, sur scène. Vous m'avez confié et que c'est la première fois, c'était la première fois que vous montiez sur la scène de cet opéra. Est-ce que ce lieu dégage quelque chose pour vous ? Oh ben oui, j'adore tous les lieux sacrés de l'art, que ce n'est pas que l'art contemporain ou l'art plastique. Que ce soit la musique, le théâtre, c'est une sorte de choix de vie. En fait, quand on est galeriste, on est un peu comme artiste, on choisit. Enfin, moi, j'ai décidé de choisir ma vie, mon destin, ce que j'ai envie de faire. Donc, c'est magique pour moi. Ce que je mets au plus premier plan, c'est l'art. Donc, évidemment, le théâtre et cette scène ici où j'étais toujours dans le public, c'est la première fois que je monte, c'est impressionnant, oui. Comment vous faites pour précisément tenter de déclencher une émotion chez la personne qui va venir dans votre galerie et qui va donc découvrir un artiste vis-à-vis duquel peut-être parfois on peut avoir aussi de la réticence, pas l'artiste en tant que personne, mais l'œuvre que l'on voit devant nous. Alors, en fait, nous on est une galerie très très généraliste, c'est-à-dire qu'on fait aussi bien de la vidéo, de la peinture, de la photo, de la sculpture. Donc, tous les gens qui poussent la porte de la galerie, et je voudrais vraiment dire qu'il faut pousser la porte de la galerie, c'est gratuit, on ne vous saute pas dessus, on imagine bien que chaque fois qu'on rentre dans une galerie, on n'achète pas une œuvre, donc poussez la porte des galeries, et après, naturellement, les gens vont aller vers telle œuvre ou telle œuvre. Donc moi, je pars du principe qu'il ne faut surtout pas parler à quelqu'un d'une œuvre qu'il ne regarde pas et qu'il ne l'interroge pas, c'est comme dans la vie, c'est comme si on voulait vous obliger à manger ou parler avec quelqu'un, vous n'avez pas envie. Et une fois, en fait, que cette personne s'interroge ou même ne comprend pas l'œuvre, mais la regarde, il y a toujours deux ou trois clés à donner. Une sensation d'agressivité face à une œuvre ou de malaise vous permet à vous, Claire Gastaud, d'entrer en relation avec celui qui est là ? Oui, je ne vais pas dire d'agressivité, mais de ne pas comprendre une œuvre, par exemple. Il y a des œuvres qui peuvent agresser quand même, non ? Oui, mais celle que j'ai choisie. Moi, j'assume absolument à 100% ce que j'ai choisi. Je sais pourquoi c'est là, je sais ce qu'il y a d'intéressant, et je pense qu'il faut donner les clés. Alors, ça veut dire que toutes les œuvres que l'on voit depuis des années dans la galerie Gastaud sont des œuvres qui vous plaisent ? Ah ben oui, non seulement qui me plaisent, mais qui sont hyper sélectionnés, de très très bon niveau. Ce sont des vrais gestes artistiques, parce qu'on parle trop de marché de l'art et pas assez d'art. Moi, je garderai toujours ma ligne artistique. Et qui sont judicieuses. Tout à l'heure, on parlait de Peter Klaassen ou Combas. Il y a 30 ans, c'était quand même incroyable d'avoir ces artistes-là. Et ils dérangeaient. Vous imaginez bien que Francis Bacon a dérangé à son époque. Et l'art, c'est quand même fait pour déranger. L'art, c'est fait pour penser, c'est fait pour réfléchir. Vous savez, en fait, une œuvre qui ne vous dérange pas, qui est même trop jolie, il faut, je vous dirais, vous en méfier. Chez Parce vous... que là, on parle d'art, hein, on ne parle pas de décoration. Chez vous, ça ressemble à quoi ? C'est disparate ? C'est une seule et même décoration ? Chez moi, ça change tout le temps. Les tableaux changent tout le temps. Je n'ai pas assez de murs et je regarde énormément les tableaux chez moi. J'en ai vraiment besoin. Quand un tableau ou un élément d'une exposition arrive, je présume que vous êtes un peu comme tout à l'heure sur cette scène, une petite fille qui découvre quelque chose. Et quand l'œuvre s'en va, soit parce que l'artiste vient récupérer son œuvre, soit parce qu'elle est vendue, et tant mieux, il y a un pincement au cœur ? Non, mais il peut même y avoir une fierté. Là, à l'heure où on parle, j'ai quatre loups, des gros loups en bronze de Roland Queunier. C'est magnifique, ça. Qui sont en ce moment à la galerie. Ils partent là, tout à l'heure, en Californie. Fait un petit moment. Non, ils sont arrivés il y a une semaine. Ils étaient en prêt dans un musée. Et on les a récupérés parce que là, ils partent à The Bay, en Californie, dans ce lieu mythique de la Silicon Valley. Donc, on est très fiers de ce collectionneur. On est très contents pour l'artiste. En revanche, il n'y en a pratiquement plus. Voilà. Des loups, c'est des 8 exemplaires. Donc on gère ce truc-là. En fait, vous savez que vous les reverrez peut-être, mais vous ne les aurez plus dans votre galerie. Ah ben c'est sûr, je ne les aurai plus. Oui. Et vous dites, on gère en permanence ? En fait, on gère en permanence ce truc. On n'est pas une industrie, c'est-à-dire qu'une œuvre, elle est unique. Quand vous l'avez vendue, il n'y en a pas d'autre, vous n'avez pas la même. Et on gère ça pour les collectionneurs. Quelqu'un qui a raté une œuvre, on essaye de lui faire plaisir en lui retrouvant quelque chose de similaire ou on a toujours une seule œuvre pour peut-être plusieurs clients. Quelles sont vos sources d'inspiration pour choisir précisément les artistes, les œuvres qui viendront ? Est-ce que ce sont vos lectures ? Est-ce que ce sont vos conversations ? Est-ce que ce sont vos promenades ?
Alors, je suis en fusion avec le monde de l'art, le milieu de l'art. Je vois absolument toutes les expositions en Auvergne ou bien sûr ailleurs. Et donc, il y a toujours des tendances qui se détachent, des tendances historiques. Et ça, c'est très important pour nous. On a beaucoup de leaders à la galerie, hein, ou des artistes qui ne l'étaient pas et qui le sont devenus. Donc ça, là-dessus, on va dire que c'est un peu professionnel. C'est comme vous, dans la presse, où vous connaissez un peu les bases et les classiques. Et puis, il faut pouvoir les avoir, ces artistes-là. Hein. Donc, nous, on travaille, par exemple, depuis 20 ans avec Nils Sudeau, Georges Rousse, mais depuis 4 ans avec Tania Moreau, une immense artiste, immense, immense artiste, qui, parce qu'elle était une femme, était un peu moins demandée. Enfin, vous voyez, elle a eu moins de chance dans les années 60-70. Et là, ça y est, enfin, elle est déjà très connue, mais elle est en train de devenir, de rentrer dans des énormes institutions. Et sur les jeunes artistes, moi je demande simplement qu'ils fassent quelque chose eh ben, de nouveau. Que ce soit véritablement. Un artiste, c'est un chercheur. Donc il apporte quelque chose qu'on n'ait jamais vu. J'ai pas envie. Moi, c'est pas parce que j'ai eu combat, c'est des grands pop art que moi, les néo-pop, par exemple, ne m'intéressent pas. Tous les gens qui font comme si ne m'intéressent pas. C'est comme ça que vous conservez votre inspiration ouverte, oui. Et que vous maintenez ce regard élargi. Oui. C'est-à-dire par la nouveauté. Non, mais il ne faut pas avoir du nouveau pour le nouveau. J'aime bien si ma perception est troublée, si une œuvre d'art vous trouble, votre perception. Vous voulez dire qu'il y a une sensation, qu'il y a quelque chose. Mais quelque chose qui vous déstabilise un peu, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau. Voilà. C'est difficile d'expliquer, mais c'est un peu ça. Et après, bien sûr, vous regardez l'artiste d'où il vient, ce qu'il a fait. Le potentiel qu'on a avec lui, parce que nous, après, une fois qu'on a pris un artiste, on met en route toute une politique un peu de promotion, c'est des investissements importants, donc il faut quand même aussi qu'on ait une ouverture de marché. Mais il n'y a pas très longtemps, là, on a une artiste avec qui on travaille depuis 7 ans, qui est venue à Clermont-Ferrand plusieurs fois, il y a énormément de Clermontois qui en ont acheté à des prix extrêmement bas. Malheureusement, on ne peut plus travailler avec elle aujourd'hui. Toutes les œuvres, tout le monde est sur liste d'attente. C'est un marché international. Elle est à New York dans une énorme galerie. Là, dans 3 semaines en Corée. Enfin, et cette artiste-là, elle avait quelque chose de très, très étrange dans son travail. Claire Gasteau, vous nous avez confié tout à l'heure avoir commencé par des études de droit. Au moment où vous rencontrez la galerie, j'ai envie de le dire ainsi, où vous rencontrez ce lieu qui devient la galerie que l'on connaît tous, le droit vous a servi à quoi par la suite ? En fait, j'adorais le droit, j'aimais beaucoup le droit, c'est vrai. Je suis un peu l'avocate de mes artistes. Moi, j'ai un gros travail de go-between parce que quand on est, on est là pour vendre des œuvres, mais aussi pour organiser des expositions, pour défendre nos artistes auprès des musées. Donc, ce rôle de go-between, je pense, me convient bien. Et au niveau du droit, vous savez, c'est quand même intéressant de connaître les bases du droit constitutionnel, par exemple, quand vous avez affaire à l'État. Enfin, on essaye de développer énormément les commandes, faire entrer nos artistes dans les collections publiques, et c'est pas mal. C'est la fin de notre émission, le temps passe très vite. On a beaucoup parlé de votre galerie, mais ça je m'en doutais de toute façon, d'art, des artistes que vous défendez. J'ai toujours la même question au final de cette émission. Imaginons que vous ayez fait venir dans ce théâtre celles et ceux que vous aimez, vos amis, vos très proches, ils sont là, derrière moi. Vous les regardez, vous êtes sur scène, le rideau se lève, vous leur dites quoi ? À propos de moi ? Je leur dis merci d'être là. Non, mais ça ne me ressemble pas, vous avez raison. Moi, j'aime bien douter, en fait. J'ai horreur d'être sûre de moi et de dire « moi, je suis la plus forte, je suis la meilleure, regardez-moi ». C'est ça l'art, mais c'est ça la vie, en fait. Vous aimez douter, donc être sur une scène face aux personnes, je ne suis pas dans le doute. Je ne suis pas acteur. Je serai sur la scène alors avec une œuvre en train d'expliquer le travail d'un artiste. Mais pourquoi je serai sur la scène si je ne chante pas, c'est sacré, justement. Ça ne doit pas recevoir n'importe qui à une scène. C'est votre réponse, elle est très belle, elle vous appartient. Ouais. Enfin, c'est théâtral, il faut quelque chose de théâtral. Donc, Merci, merci Claire. J'ai réussi, elle était là, au moins avec moi. Merci beaucoup, Claire. Merci.